Et salut les amis, c'est Takius ou Marjo, comme vous voulez, hein, qu'on se le dise, j'ai quand même mon vrai prénom qui est Marjolaine, donc vous faites comme vous voulez, bref, aucun rapport. On se retrouve aujourd'hui pour Season After Fall. Je profite que mon fils dorme aujourd'hui pour continuer à tourner cette série. Chaque coup, je vous le dis à chaque épisode, mais promis, je vous jure que c'est vrai, j'en profite tant qu'il dort. Parce qu'il y a des jours où il dort pas et que je peux pas tourner, mais que je peux faire des montages. Bref, on s'en fout. On est reparti, rappelez-vous, on essayait de trouver les logos dans l'arbre où il y a la grosse. Oh, comment ça s'appelle? La cigale. Donc du coup, bah c'est reparti. On va essayer de trouver le dernier logo. Je vous le cache pas, je suis en train de regarder sur internet voir si par hasard on peut essayer de le trouver pour avancer un peu plus vite. Parce que même moi là, ça me. Hein, voilà. Ça me gonfle un petit peu. C'est pas grave, on va chercher ensemble. Hop là, on va pas perdre plus de temps parce que même pour vous, ça va être saoulant. Donc, allez go, on va aller chercher un peu dans cet arbre maudit là. Comment on peut faire ce dernier logo? Et c'est parti. J'espère que vous, ça a été les examens et tout et tout. Parce que je sais qu'il y a eu le bac pour certains d'entre vous. Ah non, là, ici, on a dit que c'était l'autre partie et ça n'allait pas nous intéresser. Est-ce que si je tombe là, je meurs? Bah non, il y a une autre branche. Voyons, Marjo. Hein? Alors là, le son change. Pourquoi? Oui, mais moi je cherche le dernier petit logo qu'il faut que je fasse, s'il te plaît, petit jeu. Pourquoi le son change? Ah! Apparemment, même sur jeu actu, ils disent comme quoi les énigmes, en fait, elles sont très peu claires. Donc du coup, voilà. Donc c'est bien ce que je repensais aussi. C'est bien ce que je pensais, que oui, effectivement, c'est très mal expliqué, c'est mal conçu là-dessus. Mais après, je m'en plains pas parce que ce jeu est juste magnifique. Hein. Je pense que vous pouvez pas dire le contraire. Et les cigales, elles veulent pas m'amener là où il y avait le dernier là. Ça m'aurait fait gagner du temps. Gentille petite cigale. Les cigales décident. Je prends lui, je vais descendre, ça ira plus vite. Hop là, merci. Est-ce que lui, si je gratte un peu plus, est-ce que ça va faire comme l'autre? Il n'y a pas l'air, hein. J'entends du bruit qui n'est pas. Oui! Et maintenant. J'en veux plus, les amis. Je veux savoir le dernier. Je veux connaître la fin. Hop là. Et on remonte. Tout là-haut. Ok. Merde. Sauter. Merde, merde. Bon, et là, on se retrouve ici. Bonjour, monsieur. Tu peux me donner, s'il te plaît, le logo dernier, s'il te plaît. Ça devient long, votre histoire. Hein? Alors, attendez, je vais quand même chercher parce que là, je vais tourner en rond et je perds du temps et vous aussi, c'est pas drôle. Donc, du coup, j'ai regardé un petit peu. Alors, je me suis pas spoilé, rassurez-vous. J'ai juste regardé en fait parce que là, ça commençait réellement à me
courir sous le haricot. Vous vous rappelez un moment dans le dernier épisode, il montrait qu'il y avait un chemin qui était passé. Et ce chemin, en fait, il s'agit tout simplement de la suite du jeu avec la solution du dernier logo. Alors oui, je sais réellement le logo lequel c'est, mais je veux pas... Voilà, dès que j'ai vu que le gars il avait montré le chemin, j'ai fait hop hop hop, c'est mort, je vais pas tricher à ce moment-là, c'était juste voilà le fait d'avoir le logo. Donc du coup c'est parti pour aller chercher le logo, parce que, eh bien il y en a besoin. Hein. Donc là ici on est d'accord, c'est pas ici, on va aller retrouver en fait le chemin. Ah. Qui est juste là en fait, il était juste à côté de moi, mais voilà. Hop. Hop. J'espère sincèrement que vous m'entendez bien. Normalement oui, j'essaie de faire gaffe à mon son parce que c'est tout de même. Et voilà, vous voyez, ça c'est le chemin qui s'est ouvert tout à l'heure que je n'avais pas été voir. Et là les amis, nous avons le dernier logo. Voilà, nous avons le dernier logo. Et voilà. Donc vous avez compris le logo que c'est. C'est en bas des traits, au milieu le signe infini et après un losange. Donc, oui, j'ai noté, vous avez dû l'entendre, c'est pas grave. C'est pas grave, faut pas le dire, je l'ai fait. Oui, j'ai noté pour pouvoir savoir, éviter de devoir recommencer 15 milliards de fois. Je pense à vous. C'est gentil, non? Et comment on sort d'ici, les gars? Là, par contre, ça fait moyen de mourir, parce que du coup, j'ai mal de mon ça. Voilà, je me suis juste aidé ce coup-là parce que là, ça devenait vraiment chiant pour moi, chiant pour... Ah bah on pouvait passer là. Pff, je suis fatiguée. Hop là. Hop là. Oui. Aïe. Ok. Donc, nous nous mettons en hiver. En hiver. Donc, ça fait ch'touk. Ch'touk. On est d'accord les amis. Jusque là, tout va bien dans le meilleur des mondes. À partir de là, ça va être rigolo. Hop là, parce qu'il y a des os à faire et tout et tout. Donc après, on fait ça. Donc là, jusque là, on se plante pas, tout va bien. Après, c'est le signe de l'infini. Donc le signe de l'infini, eh ben c'est pas lui. Le signe de l'infini, c'est lui. Donc là, on saute et on fait un petit zigouille pour que lui, il rep. Après, on revient en hiver parce que l'hiver, c'est les traits. Donc les traits, et eh bien, c'est les traits. Et lui qui saute pas sur les bons trucs. Ok, magnifique. Hop là. On saute sur petit zigouille. Mais il faut pas qu'on appuie maintenant. Là, faut qu'on appuie. Tac. Loupé. Pas grave, on refait un tour. C'est pas grave. Quand on se fail, on fait genre de rien. Hein. Là, on fait un tac. Et après, on refait le signe de l'infini. Non, le triangle. Pardon, excusez-moi. Le losange. Et là, on fait ça. Et on a fini l'énigme. Oui. Voilà. Ce satané logo à la noix. Merci YouTube. Merci le gars qui a fait le jeu et qui a mis en vidéo. Hop là. Alors, je suppose qu'il va falloir aller voir la pierre pour pouvoir la débloquer maintenant. Et youhou ! C'est là où il y a la pierre ? Non. Ok. Bref.
c'est bien, ça tourne en rond. On essaye de trouver le chemin pour aller jusqu'à la pierre. Ah, je crois que c'est ici. Tout à l'heure, il me semble que c'était ça. Oui! Et là, on jappe. Ah non. Ah si, il faut japper là. Tu te souviens de ce qu'a dit la graine quand elle t'a reproché de m'avoir réveillé? Ça ne fait aucun doute maintenant. Il n'y a que la graine qui ait pu nous endormir. Pourquoi a-t-elle fait ça? Donc du coup, c'était la graine elle-même. Mais écoute, j'en sais rien, papy. Donc on est déjà 14 minutes, quoi, juste pour un logo. Ce jeu est immensément grand. On avançait bien jusque-là, là. Allez, on va aller embêter un Encore peu la graine. Toi. Tu sais, je vous entends parler, toi et cet idiot d'ours. Vous voulez que je me soumette à votre stupide rituel? Jamais! Vous me faites pas peur! Tu peux aller dire ça au gardien! Je me laisserai pas faire, non! Vous n'avez pas le droit de me dire ce que je dois faire, ce que je dois devenir! Vous n'avez pas le droit! Ça me fait un peu penser l'ambiance à Alice Madness Returns. Je n'ai pas fait alors que je suis une grande fan de Alice. Mais il faudrait qu'un jour je le fasse. Et lui par contre il est un peu plus subtil comme jeu. Et je crois qu'il y a d'ailleurs un Peggy quelque chose dessus. Donc c'est la version dark un peu d'Alice. T'as pas encore compris ce que les gardiens feront de toi une fois que tu leur seras plus utile? Ils t'oublieront. Ils te feront des promesses qui tiendront jamais. Les menteurs. Ils te font croire qu'ils sont sages alors qu'ils sont fous. Ils disent être tes amis, mais ils veulent qu'une chose, que tu disparaisses. Ils te feront exactement ce qu'ils ont voulu faire avec moi. Est-ce que je suis en train de descendre ou pas là? Je suis pas sûre que je suis en train de faire le bon truc en fait. Alors, on va ressauter. Hop là. Hop là. Je crois que je suis en train de redescendre alors qu'il faut que je monte. Ah non, c'est bon. J'ai peur. Ah mais c'est une relou elle. Je suis morte. Vous saviez qu'on pouvait mourir dans le jeu? Surtout quand on appuie pas sur les bonnes touches. Yee-ha ! Tu m'écoutes ? On trace. Il est pas trop tard pour bien faire. Alors là, il faut que je saute. Arrête ! Ici. Arrête ! Ah. Tu vaux pas mieux qu'eux, en fait. Elle est méchante. Elle est super méchante en fait, elle. C'est pas possible. Graine, écoute-moi. Tu t'es trompée sur nos intentions. Je veux juste que vous nous laissiez tranquilles, moi et mes trésors. Ouvre les yeux, Graine. Ce ne sont pas des trésors qui t'entourent. Ce sont tes peurs. C'est bon, j'ai déjà entendu ça 100 fois. Garde tes leçons pour quelqu'un d'autre. Elle a l'air d'être réellement vénère. Alors. Pourquoi ça vibre? Ah, c'est pas mal ça. Le vent. Elle ne m'écoute pas. Je suis désolé de t'infliger ça, Goupil, mais tu dois convaincre la graine de revenir au sanctuaire. Si tu la débarrasses de sa dernière peur, peut-être retrouvera-t-elle enfin la raison.
Ok, bon, bah alors on va retourner là-bas. Goupil. J'aime bien comment il parle le narrateur. Petit Goupil. Hop là. C'est dommage, il n'y a pas plus de musique dans ce jeu. Elles sont mignonnes en plus, les musiques. Je sais pas où je vais, mais j'y vais, hein, les gens. On va y arriver. Sinon, j'espère moi que votre bac s'est bien passé. Je sais plus si je voulais poser déjà la question ou pas. Au pire, c'est pas grave, ça fera que deux fois. Ah ben non, je sais c'est pourquoi. Ouais. C'est pour la plante. Pouf. Ah ben oui, mais non. Ok, c'est pas par là qu'il faut que je passe. Hop là. J'aime bien l'été. Le printemps, peu importe. Hop. Hop. Hop là. Hi. Ah. Ah bah ça c'est cool ça. Alors là, ça c'est de l'entraide. Hop là. J'adore cette ambiance, ce jeu est juste magnifique. J'aimerais bien juste retrouver en fait l'arbre qui vole là. Bon, savoir que je suis sur le bon chemin quoi. J'espère que pour vous, le mercredi, on retourne là-dedans. Est-ce qu'il faut au moins juste le traverser? On va peut-être juste le traverser. J'espère que pour vous, les examens se sont bien passés, que vous avez pas trop galéré. Ah, le voilà, l'arbre volant. Attendez, il y a des logos dessus. Oh. On fait de l'arbre volant. Après le tapis volant, c'est de l'arbre volant. Ok. Et à part faire ça, eh ben il fait pas de grand chose en fait. Est-ce qu'il faudrait pas leur planter en faisant un truc comme ça, non? Mm-mm.
On se rapproche d'un arbre. Youh, on part dans l'autre sens. Ici, le manège. Oh, ouais. Aïe, merde. Oui. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Je vais l'andouiller, genre, nous sommes dans un... une fête foraine. Barba papa. Et c'est pour des tours de folie. Oui, on m'avait perdu. On se met en hiver. Oh. Punaise, des moutons. Oui. Ah. En haut, en bas, cette année-là. Pala, pala. Bref. Vous m'avez perdu, les amis, vous m'avez perdu. Hop là. On met le printemps. Hop là. Et Merde. On est reparti. Voilà. J'ai l'andouille, mais en attendant, j'y arrive pas. Tout bien. Merci, messieurs, dames, les arbres. Je sais pas s'il y a des femelles ou des mâles dans les arbres, mais bon. Et... en fait, quand ils bougent, les arbres, ils bougent en même temps avec toi. Comment tu sautes là-dedans ? Ah, attends. Ok. Ici, c'était là où on vient d'arriver, donc du coup, non. Écoutez, les amis, on va se laisser sur cette nouvelle énigme. J'essaie d'avancer au plus vite ce petit jeu fort sympathique. Et je suis désolée pour les moments où je ne parle plus, c'est que je suis très à fond dedans, en fait. Et du coup, j'oublie totalement que je suis en train d'enregistrer. Donc, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao !